une interrogation légitime. Ce 19 octobre, le duc et la duchesse de Cambridge seront à la tête d'un événement organisé en l'honneur et en la mémoire de la princesse Diana. CEST à Kensington Palace, que le prince William et sa femme, Kate, remercieront tous les généreux donateurs qui ont financé la statue de Lady Diana entourée de 3 enfants en place dans les jardins de Kensington. Pour rappel, la statue en question a été dévoilée par les princes Harry et William en juillet dernier, le jour où leur mère aurait dû fêter son 60e anniversaire. Pourtant, si les deux frères étaient présents à ce moment clé, le prince Harry a de son côté annoncé qu'il serait absent de la fête organisée par son grand frère. D'après le Sun, les représentants du prince Harry et de Meghan Markle ont confirmé que le duc et la duchesse de Sussex ne seraient pas non plus présents, malgré le fait que Harry se soit rendu dans la capitale pour le dévoilement de la statue plus tôt cet été. Le couple qui habite désormais aux États-Unis ne devrait donc, ce 19 octobre, pas faire partie de la centaine d'invités à la soirée organisée en mémoire de Lady Diana. À noter que Sir Elton John a également annulé sa venue en précisant qu'il est actuellement en train de récupérer après une opération à la hanche. Mais le fils cadet de la princesse Diana sera-t-il vraiment absent de cette fête qui honore sa mère? Une discrète visite du prince Harry. Bien qu'officiellement le couple a annoncé qu'il n'assisterait pas à la fête organisée en partie par le prince William, cela ne signifie pas pour autant que le prince Harry et Meghan Markle ne viendront pas officieusement rendre hommage à Lady Di. En effet, le couple bénéficie d'assez de moyens pour se déplacer rapidement et discrètement, et il est possible que le duc de Sussex ait voulu privilégier la discrétion pour ce genre de voyage qui, ne l'oublions pas, aurait pour but de rendre hommage à sa mère morte depuis plusieurs années maintenant. À moins évidemment que le couple ne soit trop occupé à préparer un possible nouveau projet chez Netflix dans le cadre duquel ils deviendraient les commentateurs de leur propre mariage.